Isisaki Omama. Isisaki. Isisaki Omama. Il vient d'arriver au Japon, il se présente. Isisaki Omama. Ça veut dire je m'appelle Damien. Isisaki Sakai, hein. Je te jure, c'est pas le même Sakai. Isisaki Sakai, j'en peux plus. C'est pas le même Sakai. Mais Isisaki Sakai, j'en peux plus. On dirait un Whips qui parle. Non, mais Isisaki Sakai, bah, jouer, c'est pas du tout ce que c'est je voudrais faire. C'est quoi ce petit émoji, c'est quoi ça là? Je ne veux pas jouer à ça, laissez-moi tranquille. Ah, laissez-moi tranquille. On est parti. Ah, j'ai trop envie d'aller dans la boutique des avatars pour me prendre un avatar. Ah, c'est pas l'Espagne ça? Si, c'est l'Espagne. L'Espagne. Ok, a priori on est en Espagne. Je vais aller en Espagne. Est-ce qu'on est au bord de la mer? Au bord... merde. On dirait au bord de la mer quand même, franchement. Ouais, parce qu'il y a des palmiers, rien à voir. Il y a des maisons et une végétation qui me dit bord de la mer. Ouais, non, en vrai, c'est possible. Je vois pas la mer, mais j'ai l'impression qu'on y est presque. Ouais, c'est richou là, il y a des alarmes, il y a des grandes propriétés. Montrez-nous la mer. Ouais, je pense qu'il y a la mer, hein. Ce genre de propriété là. Valence. Pas comme si l'Espagne s'était remplie de côtes, mais. C'est où que c'est un peu riche là? Ils se font des belles villas sur la côte. Almaraza, en tout cas, ça a l'air d'être la ville. Ah, il y avait Almaraza? Almaraza, ça fait deux fois que ça revient. Mais ça revient pas sur des gros panneaux, des petits trucs à la con. Comme si c'était le nom du quartier ou de la petite ville. Ok, pas clair. Ah, tu vois, il y a encore Almaraza. Ou alors ça veut dire alarme en espagnol, on ne sait pas, tu sais. Là, je suis confus. Je crois qu'on va jamais s'en sortir. Ah, ah, ah. À ce prix-là. J'ai eu J'ai jamais trouvé mon quoi modèle, hein. Mon... Oh non. Non, 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 non. Non, alors là, non. À chaque fois, toujours pareil. Non, ce n'est pas le tien. Il y a personne, ok? Oh, c'est incroyable ça. Elche, TV, Aspreya. Ouais, de toute façon, on regarde. Bon, de toute façon, c'est magnifique. Alors... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est magnifique, c'est tout. Voilà. Touk-touk. Touk-touk, pays d'Asie. Touk-touk. Laissez-nous 2 minutes. Dola. Tu vois, on est à Ring Road. À Ring Road. Et pourquoi ça me fait penser à l'Inde, l'Indonésie, du Cambodge? Si l'Inde, ils écrivent comme ça, moi je vais en Inde. Hein. Mais carrément. Je sais pas s'ils écrivent comme ça. Oh bah super. Eh ben! Écrivez en tout ce que vous pouvez aussi, hein! Ils ont mis 3 caractères différents sur le même panneau. Bon, vous voulez pas nous donner un vrai panneau? Un panneau pour les étrangers? Rien à foutre des étrangers, hein! Ouais, va trouver déjà le pays pour être sûr. Pour la ville, tu peux te brosser, hein! Attends, ils sont comment ces gens? Bah, ça il sent a l'Inde! Tellement un style d'Indien, lui! T'as un style d'Indien! Moi, c'est de l'Indien, ça! T'es à New Delhi! On s'enfonce dans la jungle! Je peux plus avancer, c'est horrible! On va jamais trouver la ville! Oh, ça, c'est de la bagnole de mafioso, ça! Ça va pas ou quoi? C'est quoi toutes ces voitures blanches, là? C'est la police! Ou qu'est-ce quoi qu'ils font ici? Oh bah qu'est-ce que vous trafiquez là? C'est légal ça? Qu'est-ce que vous faites? Oh là, de la cocaïne. Ils sont déclarés vos ouvriers là? Qu'est-ce que vous faites là? Oh là, y'a quoi dans votre camion? Y'a quoi dans vos grosses boîtes? Un trafic d'armes en plein cœur de New Delhi. C'est bizarre. C'est du matériel de musique ça. Bien sûr, des instruments à l'intérieur. Vous faites un concert, vous jouez de quel instrument? Vous me jouez de la flûte là? Palace New Delhi. Ça c'est la classe. Rage gaffe. Palace New Delhi. Tâche patale New Delhi. Là. Ouais. Oh, on a même pas roulé beaucoup en plus. Non, c'est magnifique, franchement. Il y en a du bois. On est en France. Oui. Pas du France, monsieur. Oh, c'est un pays nordique, ça. Forbes. C'est un norvégien, ça. Il y a des accents sur les A. Il y a des accents sur les A, ok. J'ai un accent sur un A. Au top. Un tréma, pour être exact. Il fait froid? Il fait froid. Froid là. C'est plat, il fait froid, aucun doute. Norvège. Oh, où est-ce que je suis en train d'aller, moi? Oh putain, je suis dans une zone industrielle de merde. Oh la caisse pour les pays. C'est grâce à eux que t'as tout tes meubles Ikea. C'est vrai, ils ont bien bossé, mais je veux me barrer. Je veux juste me barrer d'ici si c'est possible. T'es en train de faire reculer la voiture, là, on va faire depuis tout à l'heure. désolé. Oh non, mais non! Je suis coincé. Oh, super. On va être obligé de se mettre un caisse en Norvège, un endroit de merde. Alors qu'on aurait pu être trop fort encore. Oh, les grosses baraques rouges. Là. Des grosses voies de chemin de fer. Ah oui. Ça, c'est ma Norvège. Bon, si on est coincé, je vais guess. On est coincé. Alors, le bois nous dit directement où c'est en Norvège. C'est du bois typique. Moi, je le prononcerai pas, donc j'attends d'avoir l'explication. Quel genre d'accent sur le A? Un genre de tréma sur le A. Comme ça? Comme à Salen? Salsaterne? Exactement. Sauf que c'était pas ce mot-là, mais c'était un tréma. Ah, donc c'est en Suède. C'est en Suède. Et la Finlande? Il y a des trémas en Finlande? Oh merde! Bah, c'est en Finlande alors. C'est bon, on voit juste des forêts, c'est plat, on se fait chier. Donc, c'est à nord ou sud? Au sud, évidemment, pour l'exportation de bois. Donc, c'est vers Latif.
Franchement, avec ce qu'on avait, je trouve que c'est pas mal. Un très mauvais choix pour l'exportation, cependant. Je vois pas l'intérêt de se mettre là. Regarde tout ce qui, tout le bordel pour sortir. Là. Ouais. C'est n'importe quoi. Vous avez des gros cailloux, attends. C'est nul, hein. Ma belle Suisse. C'est pas ma belle France, par hasard. Ça sent la classe moyenne. Ça sent les petites routes de merde. Oh non, mais là, c'est pour les vélos, là. Ouais, est-ce qu'on va là? Oh là là. Et ça roule ici. C'est légal. Non, mais là, il y a plus de route là. Il y a des vaches. On est où? Il y a des vaches. C'est du bétail français, ça. C'est des vaches bien de chez nous, hein. Je vais me retrouver bloqué, hein, c'est sûr. Ah, il y a une habitation. Un randonneur? Ah, mais... Qu'est-ce que vous faites, le roule n'est pas le primeur? Ouais, frôlez. Ils savent pas écrire? Ils sont tous illettrés? Putain, mais écrivez un truc, quoi. Ils veulent rien écrire. On dirait ils veulent pas parler. La première voiture... du village. Putain, ils me font chier, là. Écrivez un truc! J'ai toujours un doute sur la France. Fiestas de Santa Apollonia. Non, non, tu te fous de ma gueule. Salope. Tu te fous de on ma gueule. On est pas en France, là. On est en France, vous rigolez? On est en Andorre. Ah ouais, peut-être. Il y a des chevaux. Vous savez, ils ont sucé le flot de la France. Hein. Bah ouais. Voleur. C'est quoi ce drapeau? Tu le connais, ce drapeau? Jamais vu ce drapeau. Bon, un pays où ils savent pas écrire avec un drapeau bleu. Dont ils sont très fiers, visiblement. Oh, la ville. Ouais, la ville, j'arrive. L'intérieur. J'arrive. Dégage, toi. Dégage. Alarma. Tout à l'heure, c'était pareil. On va être en Espagne, mais où? Proche de la France, c'est ça le copieur. Qu'est-ce que tu fais là, à traîner dehors à cette heure-là? T'envoies des SMS à qui? Hein? T'attends le jeune qu'on a vu tout à l'heure sur la route? C'est quoi cette histoire? Pire, le vieux! Vous allez faire. Ou alors, vu que ça ressemblait, qu'on avait dit que ça ressemblait à la France, à la Suisse, on a dit France et Suisse. Ça se trouve, c'est en Italie. C'est pas d'italien. Je sais pas. Alarma, tu dis comment alarme toi en italien? Alarma. T'as vu? Mais en espagnol, je l'aurais dit. Alarma. Ah ouais. T'as lui, c'est un italien. La pasta. Est-ce qu'il n'y a pas un resto de pâtes? Putain. Écoute, j'ai été en Andorre quand j'étais à la frontière en étant à Biarritz. Je peux te dire qu'on est en Andorre. Là, on est en Andorre. Ma main a coupé. Et en Andorre, et l'Andorre, c'est tellement petit qu'on va avoir beaucoup de points si c'est ça. Il y a une partie où il parlait en espagnol, c'est ça? En Andorre, il parle espagnol. Ok, tout le monde. Ok, ça marche. Bon, bah là, c'est fini. De toute façon, on est parti. Qu'est-ce que... Espagne. Drapeau espagnol. Eh ouais. Hein. Non, non, mais là, ouais. Hein. Est-ce que... Pas Andorre, mais du alors coup. Où? Mais ils avaient un drapeau bleu. Drapeau Andorre, c'est ce que... Je sais pas ce que c'est le drapeau bleu. Mais là, c'est le drapeau espagnol. 7 secondes. C'est là que tout se joue. Je suis comme... bloqué. Ah, putain. On est dans le nord de l'Espagne, ça va déjà. Putain, c'est pas mal. Complètement parano dans ce pays. Regarde tous les miroirs. Alors, attends. C'est du coréen. Ah bon? Ouais, ça, c'est de... On est en Corée. Tu trouves? Moi, je trouve qu'on est au Japon. J'ai lu beaucoup de mangas coréens. Des rizières. Tiens, comme au Japon. Alors qu'on est en Corée, ça fait aucun sens. C'est bizarre, ça. Ils ont tout mélangé, c'est trop bizarre. Bon, là, c'est perdu, hein. La campagne japonaise, des serres comme par ça. Par contre, mec, franchement, à vous, regarde, les campagnes du Japon, c'est quand même autre chose que nos campagnes. Là, regarde. Oh, hey, c'est trop. Oh, ça, là, la t'as petite vu maison, là, typiquement japonaise, y a le côté avec les cagettes. Pas rangé, mais en même temps, un peu. Genre c'est trop mignon, t'as vu, on voit qu'il y a beaucoup de respect quand même. Oh là là, et leur voiture. Oh là là, magnifique. C'est trop mignon genre. Mais les poteaux, rien que les poteaux électriques, je fantasme dessus. Qu'a dit? À force, cette blague devient lourde. Ah ouais, elle est lourde, ok, mais est-ce que c'est pas hyper charmant quand même? Oh là. Non mais là, j'aimerais masterclass. Que vous arrêtiez de vous moquer de mon beau Japon. Envie d'en faire un thread Twitter, c'est trop grave. Si je vais au hasard au Japon... Ah oui, mais on avait dit la fois qu'ils avaient toujours les mêmes numéros de route, ces cons là. Oui, parce qu'en plus ils sont cons. Alors... Ils accumulent Sakai, Maebashi, Omama. Sakai! Ah, je l'ai vu. Maebashi, Omama. Est-ce que la 293 elle est là au moins? Bah, en fait, c'est des petites trucs là, donc c'est. Oh, mais c'est le bordel. C'est encore une fois, bon, je vais rien dire. Le Japon, il faille explique. Oh, j'en peux plus. C'est pas le bon Sakai, je te le call. Pas de Sakai. Sakai. Tiens, oh, Sakai. Merde. Bon bah, il y en a partout. Bah lui, ça doit pas être le bon non plus. Tu préfères lequel, celui-là ou celui-là? Clique au milieu du Japon, on maximisera les chances d'avoir des points. Joli. Bah, franchement. Non, c'est abusé, putain. Ils abusent, non? Je déteste quand on est au Japon. Moi aussi. J'ai pas dit que je détestais le Japon. Non, c'est mais pas je ce qu'on déteste a dit. Y être. Oh, c'est pas beau. C'est pas beau, non, c'est pas fini. Bon, ça jog. Classe moyenne, cadre. Cadre sup. Chien, là, chien, bah de, oui, chien de cadre sup. Chien de Bourges. Alerte. On est dans un parc Candy américain. Bourges. Roller, activité de Bourges. Roller, vieux, ça pue le fric. Ça pue le vieux droitard. Clochard de Bourges. Clochard bourgeois, regarde ça là. Putain. Oh, on est tour de Bourges. On est à Central Park. Mec, tu vas croire qu'on est arrivé à quoi? Central Park, au cœur de New York. On est genre... Alors, cherche Central Park, c'est un carré vert.
est très grand. Ouais, il doit être très grand quand même. Milieu, là, hein. Central Park. On est là. Et voilà. On est à fucking Central Park. Est-ce qu'il y a encore les tours jumelles? Non. On peut sortir de ce parc. Ça se trouve, c'est un autre grand parc aux États-Unis. Bah, si c'est Central Park, mec, c'est énorme. Ah bah là, c'est énorme. Regarde, ils font du beach volley. Non, mais dans un parc. Ça, c'est la démesure américaine. Il est pas très. La grosse feuille de merde qui est collée au appareil photo là. Vous pouvez le nettoyer. New York City, taxi. New York City. C'est bon, guess, on est à Central Park. C'est bon, on a gagné. C'est chiant de gagner direct. On a vu un parc, des bourgeois. C'était forcément Central Park à New York City. C'est trop chiant de gagner direct comme ça là. Après, tu vois, contrairement à un autre pays que je ne citerai plus, pas me mettre à dos de tant de gens, j'aimerais quand même visiter New York. Ah ouais? C'est là, cette fois, ça t'intéresse. Ouais, parce qu'en fait, le côté building gigantesque, j'ai l'impression que quand t'es au milieu de la ville, ça te fout le vertige. Ah, t'es là et tu fais. Enfin, ouais, pas là, partout. Parce que j'ai jamais connu une seule ville où il y a que des buildings partout. Central Park, allez. C'était sûr, c'était seconde une. Donc exactement là, du coup. Oh, on est encore à Central Park. Ah non. On est à Rome, en Italie. Dans une ville, voire un village. Je crois qu'on est peut-être aux States. Oh là, on est tellement dans un pays hispanique. Oh bah oui. En fait, déjà rien que la baraque rouge, je me suis dit, bon, ça sent le Mexique. Tu sais, la bagnole, le pick-up, ça, là, avec de la poussière dessus. Ouais, la bière, les maisons roses. J'essaie de partir d'ici. La guerre de gang. Faut autant être en Colombie. Totoral. Oh, provincial, totoral. Déjà, faut qu'on trouve le pays pour et être la sûr. Sota. Ah putain, si on pouvait voir mieux, je te jure, ce panneau là, en bas à droite là. Oh putain. On n'est pas au Mexique, hein, parce que j'ai vu personne avec des chapeaux. J'ai vu personne sur un âne. Camino. Camino Real. Ça gagne de l'argent ici. Oui, mais c'est l'influence américaine. Ouais. Il dira pas falloir jogging ici, des bourgeois de Central Park. Là, c'est mort. J'ai quitté la ville. Là, t'es c'est. En train de t'en aller dans un endroit où on n'aura plus aucune info. Attends, regarde. Je crois que c'est mort. C'est mort. Y'a plus de ville. Y'a plus de civilisation. Putain. C'est toi qui décides. On est à Coahuila, Léa. La villa des Totoral. Mais ça faisait sens, t'avais raison, il y avait personne avec un chapeau. Bah ouais, on n'a pas vu de chapeau, hein. C'est ça le problème. Il y a qu'aux États-Unis où t'as vu, ils font pendre des trucs comme ça en hauteur. Là. Aucun autre pays civilisé fait ça à part les États-Unis. Ouais, ça chie. On est vers Toronto. Ça, c'est un drapeau des États-Unis. Bon bah là. Que j'ai rarement vu. Donc ton Toronto, tu le fous au fion. Mate-moi ça là. Oh bah là. Les États-Unis d'Amérique libre. Putain. T'as un smokehouse. T'as pas envie de te manger un truc là? Si, d'aller à la smokehouse. Il y a une pièce de viande grillée. Les États-Unis sont trop fiers, ces sales Indiana. Chiens. Indiana, City of Brazil, Indiana. Va dans l'Indiana. Dans la ville de Brazil. Oh, il y a Vincennes. Oh, les suceurs. Suceurs. Terre haute. Il y avait marqué Terre haute tout à l'heure, Brazil. Non, mais la gueule de la bonne femme sur la pub, c'est censé te donner envie. Ah, regarde ça. Oh, mais dis donc. Hé, hey, vous bâtirez votre maison là. J'aimerais parler à Cheryl. CVS Drugstore, on est là. Hein. Bon, allez, bon. Envoyez le pognon américain. USA, ils nous font chier. Comment t'as vu que c'était USA? Bah, regarde. Un, deux, ouais. Ah, j'en ai rien à foutre de polluer, c'est bon. C'est les USA. Oh bah, quatre. Sugardium, les USA. Qu'est-ce qui me casse les couilles, là? On sait pas où on est. Ça, c'est les petits quartiers résidentiels comme ça. Ça va être une tannée. Ils en ont pas marre d'habiter dans des quartiers de merde, impersonnels, vides. Ça va, Wisteria Lane, là? On vous dérange pas? C'est clair. Oh, les potins de quartiers qu'il doit y avoir. Ça va? On a pas idée de faire des pelouses comme ça? Putain, c'est au millimètre. Ça se voit qu'ils l'ont pas en verte, les cons. Ah, parfait. Il y a à peu près 15 voix et personne. Non, mais c'est vide. Ça le nombre de voix. Mais pourquoi ils font autant de pas. Voix? Ça n'a aucun sens. Après, mec, tout ça, à Los Angeles, il y avait des bouchons H24 alors qu'il y avait 5 voix. C'est vrai, c'était une ville où il était impossible de se déplacer. C'était horrible. Ils ont inventé des voitures à 8 roues. Pas mal. Bon, donnez-moi un panneau pour que je m'énerve. On n'a même pas un état. Ils font autant de voix pour éviter les rues piétonnes. Par exemple, depuis que General Motors a racheté les routes de New York, ils ont fait arrêter toutes les constructions de rues piétonnes et ont détruit quelques-unes pour obliger les gens à acheter des voitures. Si c'est une vraie info, c'est une putain de dinguerie capitaliste de fou. Si c'est une vraie info, c'est un encore, plus un pays de con que ce que je croyais. Oh, le pays de fils de pute. Il repousse les limites. C'est vrai. Bah, c'est grave. Voilà. C'est un truc de dingue. On nous dit, allez, arrêtez de polluer, prenez les transports en commun. Mais tous ces cons là, qu'est-ce que tu fais pour tous ces cons là? Putain. Ah, Hidalgo, elle fait chier, mais bon, elle fait des voies piétonnes et des cyclistes aussi. Là, on peut rien faire. Ils ont ruiné la game en fait. Tu peux même pas prendre un putain de vélo. J'avoue, tu prends un vélo ici, t'es mort. On n'aura pas d'infos. Hein. Je trouverai pas mieux. On est là, ouais.
Seulement 5 km. Bon, on était à Cheddar Grove. C'est pas impressionnant. Cheddar Grove. Putain, on s'est fait baiser. Franchement, on a un guess pourri, le reste c'est incroyable. Le guess argentin nous a niqué à cause des gros chapeaux de monsieur. On a fait 20 000 bon, hein. Avec un 29 points dedans quoi. C'est magnifique hein, ce qu'on a fait. Hein. Le niveau de fou furieux quoi.